Bienvenue chez rayonrando.com, je vais vous présenter le sac à dos Astrum Evo 70+10 de Vaud. C'est un sac que je suis en train de tester lors d'un trek à La Réunion depuis plusieurs jours, donc en autonomie complète avec tente, réchaud, nourriture pour plusieurs jours, etc. Ce qui est intéressant, c'est le confort de portage, donc le bon report de la ceinture sur les hanches et puis surtout une bonne stabilité dans le mouvement. On est stable sans être non plus entravé dans ses mouvements. Donc ça, je trouve qu'on est super à l'aise dans les terrains accidentés, c'est vraiment appréciable. Il existait une version précédente de la Astrum qui n'avait rien à voir, qui faisait 2,5 kg de mémoire. Donc celle-ci fait 1,9 kg, donc on est en plus sur un sac qui est relativement léger par rapport à ses caractéristiques. Donc je vais vous montrer également toute la partie rangement et accessoirisation. Alors on commence par le dos, donc qui est réglable évidemment. Un système de matelassage qui est plutôt confortable, plus généreux évidemment au niveau de la ceinture de hanche. Côté ceinture de hanche, on va retrouver une poche de rangement qui peut permettre de mettre un appareil photo ou des encas par exemple. Sur le côté, poche élastiquée pour ranger pas mal de choses. Et puis le côté intéressant, alors vous noterez qu'on a des grosses poignées pour le saisir, donc deux sur l'avant, une sur l'arrière, des sangles qu'on peut déployer si on en a besoin pour fixer un sac de couchage par exemple, donc porte-bâton. Et puis le côté très intéressant, c'est le système d'ouverture qui n'est pas une ouverture valise comme sur d'autres sacs, mais une ouverture complète, c'est-à-dire que ça s'ouvre de là jusqu'à là, de haut en bas. Donc on peut si besoin ne l'ouvrir que dans la partie basse pour accéder au bas du sac, ou bien l'ouvrir par le haut. Et là aussi on peut l'ouvrir complètement pour accéder facilement à ses affaires. J'ai trouvé ça assez pratique à l'usage pour trouver ses affaires sans trop chercher. Devant, une poche où on peut mettre une carte, pas suffisamment profonde malheureusement pour mettre un gros vêtement, en tout cas si le sac est déjà bien plein. À l'intérieur, pas de poche pour de compartiment pour l'eau, mais un système velcro et la sortie pipette pour fixer donc la poche à eau. Et puis l'autre élément intéressant, c'est ce gros rabat qui se règle en hauteur. Vous voyez, je l'ai bien chargé, il est vraiment volumineux avec double poche à l'intérieur. Donc une poche avec fermeture éclair pour pouvoir ranger ses affaires. Et puis la poche principale. Il se détache et on peut l'utiliser comme besace avec un système de petites sangles que je n'ai pas eu besoin d'utiliser moi, mais qui permet de transformer le rabat en besace pour l'utiliser en ville par exemple. Donc voilà. Et également une bonne grosse rehausse que moi j'ai utilisée parce que j'ai réussi à ranger la tente à l'intérieur et que j'ai utilisée quand j'avais besoin de mettre plusieurs jours de nourriture. À noter aussi que, comme souvent chez Vaud, les finitions et les matériaux sont de bonne qualité. On sent que c'est du costaud, ça ne va pas nous lâcher en route. Voilà, donc un sac qui est intéressant pour randonner longtemps avec des charges normales quand on randonne en autonomie complète, donc plusieurs jours de nourriture, tente et compagnie. Vous le retrouvez sur rayonrando.com.